Attends la porte. Unité sur place, à vous. L'ambulance est en route avec une équipe de secours. J'ai contacté l'hôpital. Je vois une voiture dans cette ligne. Il est interdit de franchir cette ligne. Circulez ! Allez, restez pas là. Je refais un appel, à vous. Arrange ton col. Qu'est-ce que c'est ? Un meurtre, apparemment. À l'intérieur ? Oui. Je peux emprunter l'escalier ? Oui, vous pouvez y aller. Qui est arrivé le premier ? Pinola, il est à l'intérieur. Le central a reçu un appel d'un des voisins, un appel anonyme. Uh-huh. À 20h23 exactement. Il parlait de vol et de viol. Quelle heure est-il ? 9h01. Je veux le nom de cet homme en bas. Bonsoir. Pinola, comment ça va? Ça va. Ça sent la fumée de cigarette. S'il vous plaît. Tom, vous avez pris les photos? Oui, c'est fait. Vous avez un gros plan de la traînée de sang et des mégots dans le cendrier? Bien sûr. Parfait, merci. Passez-moi des gants, s'il vous plaît. Voilà, chef. Intéressante de ce côté, Joe. Pas d'échymose. Le cadavre est encore chaud. Viens jeter un coup d'œil, Dicky. Si t'as oublié la fille avec qui t'étais hier soir, celle-là, tu l'oublieras pas. Elle était déjà morte quand vous êtes arrivé? Oui, chef. Je l'ai examinée, son cœur ne battait plus. Quelle heure était-il? Il était 20h40. 42 exactement. Des témoins sur place? Non, personne. Elle ne s'est pas défendue, les ongles sont propres. Vérifiez les portes et les fenêtres. Je ne sais pas qui a fait ça, mais on voit qu'il est passé. C'est grotesque, on a affaire à un amateur. Comment elle s'appelle? Felicity Turner. Mariée? Oui, elle a un enfant, une fille, qui n'est pas au courant. Elle est sortie avec des amis. Lamar dit que c'est probablement un viol suivi d'un cambriolage. C'est vrai que t'as dit ça, Dicky Boy? Oui, c'est vrai. Elle porte une montre en or au poignet. Les voleurs laissent rarement les montres en or. Et t'as vu le trou dans sa tête?
Ça veut dire qu'un coup a été tiré à bout portant. Moi, je dis qu'il faut être bien en colère pour coller un flingue sur la tempe de quelqu'un. Ça s'est passé dans la salle de bain. Une balle dans la tête, une dans le cœur. Il a laissé le cadavre là, par terre, et les balles dans le mur. Ensuite, il s'est assis ici 5 minutes pour essayer de réfléchir à ce qu'il venait de faire. Il a fumé une cigarette ou deux. Il s'est dit tout à coup que sa vie était foutue. Alors il a traîné le corps de la salle de bain à la cuisine et a essayé de faire croire à un viol. Il a contacté la police et comme ça ne suffisait pas, il est retourné dans la salle de bain pour nettoyer le sang sur les murs. On n'a jamais vu un violeur ou un cambrioleur nettoyer l'appartement avant de repartir. Je ne crois pas qu'il y ait de traces d'effraction sur la porte pour la bonne raison que ce n'était ni un violeur ni un cambrioleur. C'était son homme. Alors retrouvez-le et vous trouverez l'arme qui a fait des trous dans le mur. Il n'y a aucune raison qu'il s'en soit débarrassé. Il a tout fait de travers. On peut emmener le corps? Elle est à vous. La victime est une femme noire, âgée d'environ 35 ans. Tu n'aimes pas trop ce décor, hein, Lamar? J'ai pas dit ça. Au contraire, il adore et il ne sait pas pourquoi. Comment ça? Il se sent revivre à chaque fois qu'il voit un mort. Lamar, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? On vient d'arrêter le mari au moment où il descendait d'un bus avec un calibre 32 dans la poche. Et les gars l'ont emmené au poste. C'est un 32, à ton avis? Ouais. Aucun assassin ne peut échapper à Bodine, le cerveau. La cervelle n'a rien à voir là-dedans. Les meurtriers sont des abrutis en général. Ils finissent par se faire avoir tôt ou tard. C'était pas un métier pour toi, ça. Je suis sûr que t'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant de ta vie. Je ne vous dérange pas? Ça dépend de ce que je risque. Je ne sais pas. Nous vivons une époque dangereuse. Et nous sommes dans un endroit peu rassurant. D'ailleurs, je pense que j'ai trop bu dans celui-ci. J'en connais un autre. Non, j'avais vraiment besoin de ce genre de bar ce soir. Pour finir ces vacances, c'est l'idéal. Ah, vous êtes en vacances? Si on veut. Moi, les vacances, je déteste ça. Oh, le pauvre petit. Vous êtes orphelin. Oui, orphelin de la destinée. Je ne vois que les mauvais côtés de l'existence. Vous savez ce que c'est. Bien sûr, je connais ça. Ça a été une journée éprouvante. On peut le dire. Et vous avez envie de vous détendre. C'est une idée qui me tente bien. Eh bien, à mon avis, vous vous trompez de femme. Non, je ne me trompe pas. J'en suis persuadé. Bon, alors c'est moi. Je dois m'en aller. Attendez une minute. On n'est pas bien ici, tous les deux? Mais si. Seulement, il faut que je m'en aille, excusez-moi. Restez, je vous en prie. Oubliez tout, on l'a refait. Vous n'oubliez rien, c'est très bien. Je vous avouerai que je suis même sur le point de craquer. Vous craquez? J'ai dit sur le point de craquer. Je dois m'en aller au matin, vraiment. Alors que faites-vous ici? J'espérais faire une bonne rencontre. C'est fait. Vous êtes sûre que vous n'avez pas envie de craquer? Sûre? Certaine. Certaine. Mais j'admire vos efforts et votre talent. La voilà. Merci beaucoup. De rien. Rachel? Rachel, que fais-tu là, dehors? Rien, je prenais l'air.
Non, tu bois. Tu sais que je n'aime pas quand tu viens boire ici, parce que tous ces satanés voisins peuvent te voir. À cette heure-là, ils dorment. Où étais-tu? À une partie de cartes, je te l'ai dit. J'avais oublié. Tu oublies tout le temps. Je ne veux pas que tu t'installes dehors avec ton verre. Rachel, c'est comme ça que vous vous appelez? Rachel Menon. Nous nous connaissons? Oui, depuis hier soir. Hier soir? Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnue. Je n'ai pas mis mes lentilles de contact. Kyle Bodin. Rachel. Mais vous le savez déjà. Comment m'avez-vous retrouvée? Facilement. Je voulais m'excuser. Il se peut que j'ai dit des choses un peu déplacées. Non, pas du tout. Je suis désolée. Je crois simplement que j'avais un peu trop bu hier soir. Ce n'est pas dans mes habitudes. C'est les vacances, vous me l'avez dit. J'ai dit ça? Ouais. Qu'ai-je dit d'autre? Rien d'intéressant. Je suis sûre que j'ai dit autre chose. J'aimerais beaucoup vous revoir. Non, c'est impossible. Voyons, tout est possible. Pas ça, je suis désolée. Et si je vous rappelle un de ces jours? J'appellerai la police. Appelez-moi. Combien coûte celui-ci? Oh, celui-ci? Qu'est-ce que vous allez faire avec un gros 9 mm? Combien coûte-t-il? 600 dollars. Avec quelques chargeurs en cadeau. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai planté quelques fleurs. Les azalées fleurissent. Je les ai vues, elles sont très belles. On vous avait faim, les gars? Oh, oui, ils ont l'air d'avoir faim. Tiens. Ah, ah. Elle a encore oublié de vous donner à manger? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pardon? Tu te comportes comme si tu avais quelque chose à me cacher. Comment je me comporte? Comme si je vivais une passion torride avec un autre? C'est le cas? Non. Et toi? Pourquoi tu dis ça? Excuse-moi. Reste assise, je te parle, j'ai pas fini. Brigade criminelle, Monsieur Kyle Bodin. Qui dois-je annoncer? Un instant. C'est pour toi, je sais pas qui c'est, une femme. Allô? Ça va? Bien sûr, ça.
Oui, à quelle heure? Très bien, j'y serai. Au revoir. Vous n'êtes pas marié? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. On épouse son métier. Vous n'avez pas une tête d'inspecteur. Voilà autre chose. Tenez, vous êtes censé porter des chaussettes blanches. De quelle couleur sont vos chaussettes? Bleu. Et noir. Vous êtes un homme très coloré. J'ai des chaussettes d'inspecteur. Vous avez une arme? Toujours. Où ça? Je peux voir? Vous voulez assassiner le chef? Quel modèle? C'est un calibre 38, canon court. Il y a des canons plus longs. Vous avez déjà tué quelqu'un? Pas vraiment. Vous me le diriez pas, de toute façon. Merci. Oui, bonjour, madame. Au revoir, chérie. Au revoir. Prends soin de toi. Toi aussi. Je t'appellerai. Attention à votre robe. Merci. Faire un tour? Vous avez vu cette lune? Ma grand-mère l'appelait la lune de Chine. On dirait un plat de porcelaine. Elle disait qu'elle influait sur notre comportement. Qu'elle nous poussait à faire des choses étranges. Et vous y croyez? J'en sais rien. Vous allez faire des choses étranges? Je serai bien tentée par maman. Vous êtes ravissante. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez ici? Je bois de la bière, je me balade sur le lac, je m'abrutis. Je me baigne nu. L'eau est si bonne, elle est chaude. Vous devriez vous baigner. Je risque rien? Oh, non. Allez-y. Mettez vos bras autour de moi. C'est mieux.
pourquoi tu as pleuré, Rachel? Dis-moi. À cause de toute cette tendresse. Je n'en ai jamais eu autant. Il est si dur que ça. Je n'ai vraiment pas envie de parler de lui. Non, 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 attends, attends, réponds-moi, réponds-moi. Réponds-moi. Il est si dur que ça. Raconte-moi. Allez, raconte-moi tout. Je ne peux pas. Bon, d'accord. T'es pas obligé de me le dire. Viens, ça fait rien. Allez, allez, les gars, au boulot! Monsieur Bodin. Je t'écoute, Dickie Boy. Qu'est-ce que tu as comme remède contre l'ennui? J'ai pas ce genre de problème. Menteur. Tu mènes la vie la plus chiante et la plus triste que je connaisse. Tu viendras, toi aussi, fais-moi confiance. C'est ça. Vas-y, envoie, passe, 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 allez ! Panier, 3 points. T'as vu ça? Mm-hmm. Voilà l'affaire du siècle. Ce gosse vaut au moins 5 millions. Ça peut se faire. Ouais, je suis sûr que ça peut rapporter facilement 26 par an. Et chaque dollar sera honnêtement gagné. Vrai? Ouais. De quelle couleur était son t-shirt? De qui? Celui qui a mis le panier. Blanc? Qu'est-ce que j'en sais? Tu peux pas le savoir, t'as aucun sens de l'observation. Je pense que si, mais seulement quand c'est important. Mais tout est important. Toujours. Tout ce qu'on voit à chaque instant. Mais toi, tu vois rien parce que t'es blasé. Le gamin ne portait pas de t-shirt. T'es un flic valable, mais ça, ça t'empêchera de devenir un bon. Alors, pourquoi tu fais équipe avec moi? C'est vrai, t'avais le choix. Je continue d'espérer que tu me surprendras un jour. J'ai bien l'intention de te surprendre. Ne sois pas si sûr de toi. Il n'est pas dit qu'on puisse encore me surprendre. On vit une époque où plus rien ne me surprend. J'ai passé la journée à t'attendre. Je t'ai manqué. Oui. Alors, comment elle est? Qui? Ta Cendrillon? Moi, je te raconte toute ma vie, et toi, quand tu parles, c'est pour dire qui est mort et qui a tiré. Tu veux vraiment pas m'en parler? Pourquoi? Tu as peur que je te la pique, c'est ça?
Bien joué. C'est une affaire, cette nana? Y'a rien, y'a pas de nana. Enfoiré. Quoi, tu vas t'énerver? Peut-être bien. Pas ça, non, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Écoute, je veux oublier tout ça. Je ne comprends pas. C'est très clair. Toi, mets moi les mains dans la main. Tu m'emmènes faire un tour? Là-dedans? Est-ce que tu nages bien? Les hommes oublient vite. Non, je n'oublierai jamais. Tu ne veux pas qu'on rentre? Je t'envie, Kyle. Tu as l'air tellement bien dans ta peau. J'aimerais être à ta place. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prise au piège, je ne peux pas m'en sortir. Mais si, divorce. Je t'aime, Rachel. J'ai pas grand-chose à t'offrir, c'est sûr. C'est pas ça. Tout ce que j'ai est à toi. J'essaierai de te combler au maximum. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en prie, Kyle, arrête. C'est à toi de décider. Ou tu l'affrontes carrément et tu le quittes, ou tu restes avec lui et tu te débrouilles avec tout ça. Rachel, par ça alors. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te faire une surprise. Embarquement immédiat du vol des... Ah, c'est réussi. Porte 28. Monsieur Monroe, oui. On vous demande au téléphone. Je ne sais pas qui c'est personnel. Rupert Monroe. Vous ne me connaissez pas, en revanche, moi je vous connais, j'aimerais vous parler de choses tout à fait personnelles. Qui est à l'appareil? Moi, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi deux types aussi super que nous ont choisi de faire une carrière misérable au sein de la police. Moi, j'avais une bonne raison. Je suis claqué. Ça me reviendra. Appel à toutes les patrouilles, l'intervention nécessaire pour violence conjugale au 201, s'il presse. Voiture 159, nous sommes tout près du 201, on y va. Bien reçu, voiture 159. Depuis quand on s'occupe des violences conjugales? Brigade criminelle, voiture 159, nous arrivons sur les lieux. Terminé. Bien reçu, voiture 159. Police. Tout va bien, tout est rentré vous dans l'ordre. Vous habitez ici, monsieur? Il n'y a aucun problème. Vous habitez bien cette maison? C'est exact. Votre nom? Je suis Rupert Monroe, de la Monroe American Bank. Oui, monsieur, je sais qui vous êtes. Où est votre femme, monsieur? À l'intérieur. Elle va bien. C'est une histoire embarrassante, mais insignifiante. Je vais entrer pour lui parler, je vous demande de rester dehors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je vous assure, c'est ridicule. Monsieur Monroe, je vous propose de vous asseoir là-bas. Asseyez. Il y a quelqu'un? Madame Monroe?
Rachel? Oh, mon ange. Rachel, est-ce que ça va? Quelqu'un a appelé pour lui dire que j'avais un amant. Tiens. Tiens. Ça va aller, madame? Voulez-vous qu'on arrête votre mari? Lamar reste dehors avec Monroe, je m'occupe d'elle. D'accord. Tu veux qu'on l'embarque? Tu parles à quoi, Monroe? Il sera libre dès demain matin. Probablement. Vous avez une jolie maison, monsieur. Combien ça coûte si c'est pas indiscret? C'est indiscret, ça ne vous regarde pas. Votre femme ne veut pas qu'on vous arrête. Je vous l'avais dit, c'est une prise de bec. On n'arrête pas les gens pour si peu, n'est-ce pas? Ne refaites jamais ça. À qui vous adressez-vous? À toi, connard. Grande gueule pour un petit gabarit. Ça va? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Rachel, tu n'as pas à supporter ça. Divorce, débarrasse-toi de lui, ce salaud. J'aimerais me débarrasser de lui, si tu savais. J'en rêve toutes les nuits. Et même plusieurs fois dans la nuit. Je me suis acheté une arme. Où est-elle? Je la veux. Où est-elle? Je pourrais aller à Miami. Qu'est-ce que tu racontes? Je reviendrai le lendemain en pleine nuit et je le tuerai. Mais qu'est-ce qui te prend? Allez. Viens, on va s'asseoir 5 minutes. Non, ça va. Si, assieds-toi. Allez. Calme-toi. Arrête. Quoi? Arrête. Je te demande juste de t'asseoir. Lâche-moi! Rachel. Rachel! Rachel! Reviens! Ouvre-moi cette porte! Rachel! Rachel! Madame Monroe, chambre 330. Et vous avez une lettre? Je fais monter vos bagages. Bienvenue à l'hôtel. Merci. Kyle. Oui? Où t'étais? Comment ça, où j'étais? Tu devais te présenter au tribunal. Personne n'a su où te trouver. Cette pourriture d'avocat réclame l'acquittement. Qu'est-ce qui t'arrive? Thank you.
Je reviens. Salut, Perry. Comment ça va, Benny? Oh, moi ça va, et toi? Content de te revoir. Tu peux passer un coup de fil pour moi? Tu sais bien que je peux rien te refuser. J'aimerais que tu appelles la police. Je croyais que tu étais dans la police. Un paquet de clopes. Centrale de Brighton, appel à la patrouille 197. On signale une agression sur Cypress au numéro 201. Le 201, c'est bien là qu'habite Monroe? Oui. Voiture 159, nous sommes déjà allés à l'adresse sur Cypress. Centrale à voiture 197, message précédent annulé. La voiture 159 est déjà arrivée à l'adresse. Qu'est-ce que vous voulez? Un de vos voisins a entendu une femme appeler au secours. C'est pas ici. J'aimerais parler à votre femme. Elle est à Miami. Merci, monsieur. Bonsoir, Georges. Heureux de vous revoir. Bonsoir, Bob. Tout va bien? Oh, cherché partout. J'ai été obligée de partir. J'étais à Bunner l'autre soir. Alors je suis partie. J'essayais de t'appeler plusieurs fois, ça ne répondait pas. Alors j'ai pensé à louer une voiture pour rentrer. Je ne veux plus vivre avec cet homme. Je sais que ma vie est avec toi. Ne me quitte plus jamais, Rachel. Excuse-moi. Tu acceptes de partir avec moi? Oui. Oui. C'est vrai. Ce soir, si tu veux. Tu veux que je t'accompagne? Non, il pourrait débarquer, on ne sait jamais. Il te faut combien de temps?
Un quart d'heure à peine. Je t'attendrai dans la rue. Rachel, tu arrives ou tu t'en vas? Attends une minute. Je m'en vais. Donne-moi cette valise. Nous allons d'abord en discuter. Non! Donne-moi cette valise! Qu'est-ce que Arrête! Tu as là-dedans, hein? Tout à part l'idée de la cuisine, c'est pas croyable! J'appelle la police. On va d'abord se faire du bien. Arrête! Je suis prêt demain matin. Non! C'est un devoir conjugal, ça. Laisse-moi! Tu n'iras nulle part. Non! Quoi? Tu as faim? Ne m'approche pas! Rachel, donne-moi ça. Va-t'en. Sois gentil. Éloigne-toi! Ah! Rachel! Nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a jeté contre le mur. Il voulait me retenir. J'ai cru qu'il allait me tuer. Je dois appeler la police. C'est de la légitime défense. Tu ne peux pas. Si je ne le fais pas, c'est un meurtre. Et port d'armes illégales. Je n'ai pas réglé l'hôtel. Ils diront que je suis rentrée pour le tuer uniquement. Et c'est vrai? Non. Oh, aide-moi, je t'en prie, Kyle. Si tu m'aimes vraiment, fais ça pour moi. Repose le téléphone, je t'en prie. Je ne veux pas aller en prison. Aide-moi. Tu avais bien dit que tu me protégerais. Ne les appelle pas. Je t'en supplie. Repose le téléphone. D'accord.
Un 9 mm. Tu as tiré combien de coups? 2. Vous étiez à quel endroit? Moi, j'étais là et lui là-bas. Donne-moi des vêtements de rechange. Trouve-moi une corde, on va le mettre dans une couverture. Retourne à la voiture et rapporte-moi la corde. Je reviens, bouge pas.
S'ils se mettent à nous suspecter, ils diront toutes sortes de choses pour nous monter l'un contre l'autre. Et faire en sorte qu'on se trahisse mutuellement. Ne leur fais pas confiance. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Retourne directement à l'hôtel, rentre sans te faire remarquer. Et ne m'appelle pas. Voilà, madame. Merci. Ça va? Je ne peux pas rentrer. Il le faut. Appelle à son bureau. Laisse passer un jour ou deux et appelle la police. Rachel, tu ne dois pas me téléphoner ici, tu as compris? Désolé. Je te rappellerai dès que je pourrai. Tu es hyper discret à propos de cette fille. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'elle a les ongles longs? Pas spécialement, non. Et ses griffures sur ta main? Bonjour, Jaune. Passez-moi Rupert, s'il vous plaît. Il n'est pas encore arrivé, Madame Monroe. Nous essayons justement de le joindre. Dès que vous l'aurez, dites-lui de m'appeler à la maison. Entendu. Merci. Kyle, tu te souviens du banquier Monroe? On est passé chez lui l'autre soir. Ouais. Il est porté disparu. Sa petite femme est inquiète. Merci. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Le lendemain de votre visite. Jeudi dernier? C'est ça, avant d'aller à Miami. Et vous êtes rentrée de Miami hier? Avez-vous contacté votre mari pendant que vous étiez là-bas? Non. Savez-vous s'il était en danger? Enfin, est-ce que quelqu'un pouvait lui vouloir du mal? Non. A-t-il déjà fait ça? S'il a fait quoi? Partir sans prévenir personne. Non.
Vous permettez qu'on visite, qu'on jette un œil? Bien sûr, allez-y. Votre mari est resté seul ici pendant votre absence? Oui. À votre retour, vous n'avez remarqué aucun détail suspect? Non. Pas de porte ou de fenêtre ouverte? Non. Ce carreau est cassé depuis longtemps? Quelques semaines. C'est simple à réparer, vous savez. Comment vous l'avez cassé? En voulant fermer la fenêtre. Quel genre de voiture votre mari conduisait-il, madame? Une Bic noire. On interroge les voisins? Oui. On va fouiller le reste de la maison avant. D'accord. Elle est très nerveuse. Tu trouves? Elle est tellement crispée qu'on pourrait s'en servir comme club de golf. La fenêtre était condamnée, en fait. Elle ne bouge plus. Et alors? Mais elle a menti. Tu crois qu'elle ment pour le reste aussi? Je ne sais pas. Réappeler le central. Qu'est-ce qui se passe? C'est sa voiture. Pas une empreinte. Elle est ici depuis longtemps? On ne sait pas. L'ampoule du coffre est cassée. Le type savait ce qu'il faisait. Le service va te recontacter. Pourquoi? Sa voiture a été retrouvée, on va devoir t'interroger. J'ai peur, Kai. Tu n'as pas à t'inquiéter. Reste fidèle à ta version des faits. Cette fille est givrée. Elle a un dossier psychiatrique. Elle est suivie depuis plus de 4 ans. Elle a tenté de se suicider il y a 2 ans en avalant un flacon de Valium. Et elle a demandé le divorce 2 fois. La voiture de Monroe est complètement nickel. Pas la moindre empreinte. S'il s'agit d'un meurtre, le coupable a pensé à tout. Et c'est pas un malade mental. Bien vu. Vos noms et adresses actuelles, s'il vous plaît. Madame Rachel Monroe, 201 Cypress Avenue. Bonjour. Le soir où nous sommes intervenus, le 17 juillet, votre mari vous avait-il battu? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous nous querellions quelquefois. Quel était l'objet de cette querelle? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mon mari m'accusait d'infidélité, il prétendait que j'avais un amant. Avait-il raison? Attendez, monsieur Dickey, ma cliente est ici pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé et vous dire où elle était, et non pas pour parler de sa vie sexuelle. Combien de fois vous a-t-il frappé? Oh, ce n'était rien de grave. D'après le rapport de l'inspecteur Bodin, il y avait des traces visibles de coups sur le visage. Une gifle. Que s'est-il passé une fois que l'inspecteur Dickey et moi sommes repartis? J'ai dormi dans la véranda et le lendemain, j'ai appelé un taxi qui m'a emmené à l'aéroport. J'ai pris le vol de 10 heures pour Miami. Vous y êtes resté de jeudi à dimanche, vous êtes rentré lundi matin.
C'est ça. Avez-vous appelé votre mari de l'hôtel? Non. Je voulais me retrouver seule. Avez-vous appelé quelqu'un d'autre? Non. Vous êtes rentrée le matin du 22. C'est bien ça? Oui. À quelle heure êtes-vous arrivée? Vers 11h. Avez-vous téléphoné en arrivant? Oui. Qui avez-vous appelé? La première personne. Oui. J'ai appelé le bureau de mon mari. J'ai eu sa secrétaire. Et ensuite, qui d'autre? Personne. Vous dites que votre mari a été votre premier coup de fil. Qui avez-vous appelé après lui? Je n'ai appelé personne d'autre. Dans la nuit de dimanche avant que votre mari ne disparaisse, un des voisins a remarqué que la lumière était restée allumée jusqu'à 3h du matin chez vous. Qui pouvait être là? Je ne sais pas. Madame Munro, je pense que nous allons revenir fouiller la maison. Ils sont dedans? Oui. Ils vont peut-être le retrouver sous le lit. Où est-ce qu'elle était? Elle était à Miami, au Registry Hotel. Elle est arrivée le jeudi, elle est repartie le lundi matin. Et on sait qu'elle a réussi à joindre son mari à 21h27 dimanche soir. Elle l'a appelé ici avant qu'il ne sorte. Et il semblerait que vers minuit moins le quart, elle l'ait rappelé au Brighton Country Club. Elle disait qu'elle n'avait passé aucun coup de fil de l'hôtel. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Dimanche, à 10h, elle a pris son petit déjeuner au bord de la piscine. Elle y est restée toute la journée, ils ont sa signature et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Elle était bien à Miami. Mais elle a pu envoyer un de ses amants pour le liquider. Possible. Mais tu t'avances, là. Je ne crois pas. Ici, tout le monde le sait. Elle va encaisser un petit magot. Ça ne te gêne pas qu'elle soit aussi nerveuse? Tu la trouves nerveuse? Qu'est-ce que tu crois, au juste? Elle a une réputation de fille facile qui fait ce qu'elle veut des hommes. Tu as des preuves? On m'a raconté des histoires. Mais quel genre d'histoire? Elle recevait des hommes quand son mari s'absentait. Qui t'a raconté ça? Non, Kyle. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Il n'y avait rien sur la voiture. Pas la moindre empreinte. Rupert Munro était plutôt grand. Je ne sais pas où il peut être, mais quelqu'un l'a traîné forcément. Je suis sûr qu'elle a demandé à un de ses amants de venir pour le tuer. Où est-ce qu'ils ont pu mettre le corps? Je te le demande. Il pleuvait des cordes cette nuit-là. Personne ne creusera un trou dans la boue sous la pluie. Salut, Trésor. Bonjour. Merci. Quoi de neuf à l'intérieur? Nous n'avons encore rien trouvé. D'accord. Attention, la voilà. Du jus de citron frais? C'est moi qui l'ai préparé ce matin. Merci. Merci. Qui était dans ta chambre à Miami? Quoi? Quelqu'un a appelé ton mari de ta chambre. Je sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Tu as mis quelqu'un à l'hôtel et tu es venu pour le tuer. Ce n'est pas vrai. Dis-moi la vérité, bon Dieu. Ça, il sait la vérité, je te le jure. Il n'y avait personne dans ma chambre. Quelqu'un ment. Je comprends plus rien. Kyle, J'ai reçu un appel. Quelqu'un a aperçu une voiture près du lac Camélia cette nuit-là. Une voiture noire métallisée. Un appel de qui? Anonyme. Pas grave, on reviendra. Tu crois qu'il est là? On n'en sait rien. J'ai besoin d'aide. Eh bien voilà. Attendez, je crois qu'on a quelque chose. Retournez
Mon Dieu, c'est lui! Bien lui. Voilà un bon vieux meurtre, Kyle. Après examen du stade de décomposition du cadavre et sachant que la température de l'eau est de 22 degrés centigrades, nous estimons que le corps de la victime est dans l'eau depuis au moins 7 jours. Dimanche, c'est ça. Nous avons constaté 2 blessures par balle. La première au milieu de la cage thoracique a perforé le sternum au niveau de la 3e côte. Nous y avons trouvé des fragments de poudre. La balle n'est pas ressortie. L'autre se situe au niveau de l'œil droit. Présence là aussi de fragments de poudre ainsi qu'une légère brûlure. En ressortant, la balle a causé une ouverture à la hauteur de la 2e vertèbre. Vous allez avoir une balle. Un peu abîmé, mais c'est une balle. Je peux. Fais voir. Une balle de 38. Ou de 9 mm. C'est presque les mêmes. On va la mesurer. Passe-moi le pied à coulisse. Merci. Du 38. Un problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une balle. J'ai une surprise pour vous. Quoi? Il y a de l'eau dans les poumons. Et alors? Malgré les 2 balles dans le corps, il était vivant quand on l'a balancé dans le lac. Aussi curieux que ça puisse paraître, il est mort par noyade. Kyle. Regarde ce qu'il y a dans le talon de sa chaussure. Qu'est-ce que c'est? Un bout de verre. Je peux pas en être sûr, mais ça ressemble à du verre de l'époque victorienne. C'est le même que celui retrouvé sur la chaussure de Monroe. C'est d'ici que ça s'est passé? Peut-être. Son amant ou je ne sais qui a débarqué. Il y a eu une bagarre. La victime a été frappée à la tête, a reçu 2 balles. Et l'assassin l'a balancé dans le lac avant d'abandonner sa voiture. Il n'y a aucune empreinte dans toute la maison. Il savait ce qu'il faisait. Il n'y a pas la moindre trace. Je crois qu'il a branché l'humidificateur pour dissoudre les empreintes. On finira par trouver quelque chose. On devrait. On sait qu'il est passé ici. Je vais retourner au labo. On va faire examiner ce bout de verre au plus vite. Hé, les gars, venez voir. J'ai trouvé quelque chose. Regardez. Kyle. On a trouvé quelque chose. Eh bien, regarde-moi ça. Extrait-la.
Mon vieux, tu as raison. Tôt ou tard, un truc leur échappe et ils se font avoir. Regarde ça. C'est bien une balle de 38. On le voit aux rayures. On n'aura pas de mal à identifier l'arme d'où elle est sortie. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'arme maintenant. Avec qui tu étais, Miami? Personne. Tu le trompais avec un autre homme que moi. Non. Pourquoi tu me demandes ça? Il y a des rumeurs sur toi. Ne tombe pas dans leur jeu. Tu l'as dit, ils vont tout faire pour nous monter l'un contre l'autre. Où est le flingue? Quel flingue? Celui avec lequel tu l'as tué. Tu t'en es débarrassé, tu ne te souviens pas? C'était un 9 mm. Je le sais. Qu'est-ce que tu racontes? La balle qu'ils ont extraite du corps de ton mari a été tirée avec un calibre 38 et la balle qu'on a extraite du mur de chez vous aussi. Mais je l'ai tué avec le 9 mm, tu l'as vu? Voici la balle que l'on a retrouvée dans un mur chez Monroe. Voici celle qui a été extraite du cadavre. Les rayures sont exactement les mêmes. Les deux balles ont été tirées avec la même arme. Pourquoi la balle de Monroe est-elle pleine de petits trous? Je ne sais pas. Le sable peut-il produire cet effet? Monsieur Bodine, le corps humain, aussi merveilleux qu'il soit, contient 1,5% de calcium, 1% de potassium, 65% d'eau, et parfois, après 17 heures, un certain pourcentage d'alcool, mais pas de sable. Merci pour votre coopération. De rien. Kyle. Mm-hmm. Le capitaine veut te voir. Pourquoi? À propos de l'affaire Monroe, je crois. Kyle, vous étiez son amant, c'est ça? Non. Elle ne vous a jamais reçu seul chez elle? Non. Vous êtes déjà intervenu chez eux? Oui, capitaine. Oui, deux fois, il me semble. Son mari a porté plainte. Il dit que vous lui avez manqué de respect, que vous avez été grossier. Vous avez dit ça? Non, il n'a rien dit, capitaine. Ce type était une ordure. C'est inexact. Vous avez été contacté pour violence conjugale? C'est ça. Avez-vous porter un intérêt spécial à cette affaire? Non, pas vraiment. Où étiez-vous samedi dernier dans la soirée, Kyle? Je devais être chez moi. Monroe a été assassiné avec un calibre 38. D'après le rapport d'autopsie, oui. Votre arme de service est bien 38? Vous le savez bien. Puis-je le voir? Vous en êtes servi ces jours-ci? Oui. Nous avons retrouvé une balle dans le mur de la chambre. Les rayures sont parfaitement visibles. Il ne sera pas difficile de savoir si elle vient de votre arme.
Je vous informe que vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à ce que nous ayons vérifié tout cela. Désolé, Kai. Il faut que tu viennes avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Je te le demande. Tu ne lui as pas rendu le bon flingue. Mais de quoi tu parles? Mauvais numéro de série. Ce n'est pas ton arme. Le capitaine veut te voir tout de suite. Très bien, j'arrive. Faut que tu le saches. Cette histoire bouleverse beaucoup de gens qui n'imaginent pas que tu aies pu faire ça. Est-ce que tu la voyais à n'importe quelle heure? Non. Le soir où le barman t'a montré le reçu de sa carte de crédit, avec son nom dessus, as-tu pris contact avec elle d'une manière ou d'une autre? Non. Elle ne t'appelait pas ici, au bureau? Non. Alors qui te téléphonait? Je ne vois pas de quel coup de fil tu veux parler. Pourquoi voulez-vous la protéger? Qu'est devenue votre arme de service, celle que je vous ai remise et qui portait le numéro de série 0876B? Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Tu penses qu'on te l'a volée? Possible. Et qui cela peut-il être? Je n'en sais rien. Vous ne vous êtes jamais retrouvé seul chez elle? Non. Réfléchissez un peu. Vous risquez de finir sur la chaise électrique pour elle. C'est peut-être son but, justement, la seule idée qu'elle avait en tête. Dès que nous aurons retrouvé votre arme ou une quelconque preuve, vous serez foutu. À moins, bien sûr, que vous acceptiez de coopérer. Kyle. Elle s'en tirera. Elle sera très riche. Elle héritera de 12 millions de dollars. Le procureur acceptera sûrement de négocier quelque chose avec vous. Vous pourriez vous retrouver dehors au bout de 2 ans. C'est toi? Tu as mon argent, Lamar? Tu as le billet? Enfin. Montre-le-moi. Tu auras le reste quand je serai payé. Combien as-tu payé Dicky pour qu'il suive ton mari?
Qu'est-il pour toi? Rachel, il est temps de parler. Rupert voulait partir sans rien me laisser. Dicky m'a aidé à trouver une solution. Une solution pour quoi? Pour me débarrasser de Rupert. Et pour te rencontrer. L'arme, Miami. Tout. Tu as joué avec moi? Non. Avec toi, j'étais sincère. Tout a changé après notre rencontre. Je suis revenue de Miami pour vivre avec toi. Tu n'avais pas réglé l'hôtel, tu es revenue pour le tuer. Non. Nous devions partir loin. Qui a appelé de ta chambre? Je pense que la Mara a dû envoyer quelqu'un. Qui a passé les coups de téléphone de ta chambre? Je ne sais pas. Tu me caches quelque chose, ça suffit, je veux la vérité, tu entends? Ne me regarde pas comme ça, Kyle, je t'en prie. Je ne suis pas une étrangère. Si, justement. Ne dis pas ça. Je t'aime. Je ne veux plus entendre ça. Avant toi, ma vie n'avait plus de sens. La ferme. Je t'aime. Tu vas la fermer. Kyle, je t'aime. Alors pourquoi tu m'as menti? Si tu m'aimais vraiment, tu m'en aurais parlé. Je t'aurais perdu pour de bon. Ça suffit, arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu t'es foutu de moi, c'est tout. Non. Je t'aimais, t'avais pas le droit de te foutre de moi. T'aurais-tu m'en parler, tout me dire depuis le début? J'ai essayé de tout arrêter. Je t'en prie, il faut me croire. Appelle la mort. Donne-lui rendez-vous, demande à le voir ce soir. Assieds-toi. Je lui ai tout avoué, Lamar. Où est mon arme? Je ne l'ai pas. Rends-moi mon arme. Dans ma bagnole. S'il s'avère que c'est toi qui as tout magouillé, je te fais sauter la cervelle. Allez, dehors. Debout! Attends-moi, je reviens. Avance. T'as l'intention de me tuer? Oui, s'il le faut. Non, y a aucune raison. Combien on t'a payé? Très cher. Elle était désespérée. Ensuite, elle a voulu tout arrêter, mais... il y avait trop de fric en jeu. Pourquoi moi? Pourquoi pas n'importe quel zigoto dans la rue? Pourquoi ton coéquipier? C'était la meilleure idée. N'importe qui d'autre aurait pigé et m'aurait fait tomber. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne t'ai pas choisi comme pigeon au départ. Tu étais ma garantie. Ferme-la, Dicky Boy. Tu t'es fait avoir. Par les photos et par mon flingue que t'as gardé trop longtemps. Ouvre. Magne-toi. Où est-il? Sous le siège. Il n'est pas trop tard, Kyle. Ferme-la. Jette-le dans le lac et on oublie tout. La ferme! Police, ne bougez plus! Il a une arme! Jamais quitté.
Rachel. Il avait raison. Ouais, tôt ou tard, ils se font tous avoir. Thank you.